Alors nous sommes maintenant au camp et je vais vous montrer comment vous pouvez gérer votre inventaire, voir ce que vous avez comme objet et compagnie. Donc, vous faites menu avec moins. Vous arrivez dans les informations d'unité, les infos de soutien, l'entrepôt, les bonus et le système. Dans informations d'unité, par exemple, vous pouvez voir chaque personnage. Si vous cliquez dessus, vous allez dedans. Vous pouvez voir son équipement, son statut, ici. Vous pouvez afficher les détails aussi, si vous voulez. Donc, par exemple, avec X, vous avez les détails, âge de fer. Voilà, vous pouvez voir. Alors, plus intéressant, si vous allez dans statut 2, vous pouvez voir son niveau d'arme, pushak, arme et ce qu'il peut équiper. Alors, si vous allez encore plus loin et vous allez dans guide d'unité, là, vous voyez tous les coups spéciaux, toutes les techniques. Donc, si vous voulez voir quelle technique vous avez. Et si vous allez dans profil, là, ça devient très intéressant parce que vous avez des indices pour savoir quoi répondre aux questions de soutien. Vous voyez pour chaque personnage ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Il aime le talent, les débats sur l'histoire, la stratégie, la nature et les beaux paysages. Il n'aime pas les valeurs surannées, les emblèmes, les rats, les chaînes, la natation et perdre le contrôle. Et vous voyez aussi les alliés proches. Donc à chaque fois que vous allez faire un choix de soutien qui n'est pas en ligne avec ce qu'elle aime ou n'aime pas, ben vous n'aurez pas de points. Si vous dites quelque chose qu'elle aime, vous aurez des points. Si vous dites quelque chose qu'elle n'aime pas, vous n'aurez pas de points. Et ça, c'est pareil pour tous les personnages. Vous pouvez lire et retenir. Voilà. Voilà, elle n'aime pas la paresse, les nobles qui n'agissent pas comme tels. Ben, si vous vous comportez pas en noble, bien vous n'aurez pas son soutien. Voilà, tout simplement. Et alors, encore plus loin, vous avez les informations de soutien. Et ça, ça vous donne pour chaque personnage les différents liens de soutien. Ici, on va prendre mon personnage qui est Aldoric. On voit par exemple qu'Aquel des gardes le C a déjà bien rempli, avec Dorothea beaucoup moins, avec Monica rien du tout. Et c'est en répondant aux questions et en combattant sur le terrain avec les gens que vous aurez leur soutien et obtiendrez des points de soutien. Plus les points de soutien sont grands, plus ça débloquera des choses et ça vous donnera des avantages. Alors, on va revenir en arrière. On va maintenant allez, sur les infos de soutien, ça c'est simplement l'écran de soutien, comme vous l'avez vu avant, mais c'est une sorte de shortcut. Donc ici, vous pouvez voir où vous en êtes. Voilà. Alors, on va retourner en arrière. On va maintenant aller dans le menu entrepôt. Entrepôt, c'est tous les objets que vous possédez. Par exemple, là, j'ai les radis et les trésors. Les radis, si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir l'utiliser pour donner résistance plus 2 à un personnage. Je ne vais pas le faire ici, mais vous voyez que ça donne résistance plus 2 de façon permanente quand ingéré. Les trésors, il faut les vendre. Alors, on va passer en revue les autres objets. Vous avez les matériaux, les minerais, les poissons, les viandes et les produits. Ça servira sûrement pour des recettes. Les minerais sûrement pour améliorer les armes. On verra bien plus tard dans le jeu, puisque c'est pas encore la version complète du jeu, donc on n'a pas encore accès à l'artisanat. Donc ici, vous avez l'arsenal, vous voyez toutes les épées et tout ce que vous avez comme armes. Donc vous voyez les lances que vous avez, si elles sont équipées ou pas. Vous voyez les haches, les arcs et compagnie. Voilà, vous voyez tout. Évidemment, vous ne pouvez équiper une arme que si vous pouvez la porter. Si vous avez par exemple E en arme et vous voulez équiper une D, ben ça n'ira pas quoi. Voilà. Alors, vous avez, après ça, la caserne. Ça, je sais pas encore ce que c'est. C'est apparemment des escouades qu'on peut recruter. J'ai rien dedans, donc je ne sais pas encore dire exactement ce que c'est. Et après, vous revenez de nouveau aux objets. Alors, dans les bonus, vous avez les amiibo qui sont désactivés maintenant. Mais apparemment, vous pourrez utiliser des amiibo pour recevoir jusqu'à 5 cadeaux par jour. Ça, je ferai une petite vidéo dessus au moment où le jeu sera sorti pour un petit peu voir ce qu'on peut obtenir avec les différents personnages. Je suppose que ce sera le même principe que d'habitude. Avec certains personnages, des armes. Avec d'autres, on aura de la nourriture ou des objets style des minerais. Et un bonus de sauvegarde qui n'est pas disponible non plus. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. On va sortir. Et alors, vous restez le système. Le système qui est paramètres, sauvegarde, chargé, qui des retours à l'écran titre, qui est le... les trucs normaux, voilà.
J'ai pas encore réussi à équiper une autre arme sur mon personnage, mais dès que j'y arriverai, je ferai une petite vidéo. Pour l'instant, je pense pas que j'ai trouvé d'arme que je peux équiper sur Aldoric, je pense pas. Maintenant, je pourrais essayer sur un autre personnage, en allant dans l'entrepôt et en allant dans l'arsenal. Peut-être qu'on peut... Je pense pas que ce soit déjà disponible en fait. Et voilà, ici s'achève la mini-explication sur tout ce qui est gestion des objets, arsenal et compagnie.